bien, bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau car spotting donc à Beaufort. Alors, il pleut un petit peu, mais c'est pas ça qui va nous faire arrêter. Alors on commence directement avec une magnifique Jaguar XF30D, il me semble. Voilà. Et on va descendre, et normalement j'ai repéré une Ferrari par là-bas. Voilà, tout de suite. Comme j'avais dit, Ferrari. FF. Ouais, c'est bien une FF. Et 4 roues. Donc on va attendre là, attendre qu'elle parte. Voilà, intérieur. C'est du lourd, hein, c'est du lourd. Magnifique avant de la FF sous la pluie. Donc on va attendre ici quand elle démarra. Je reprends la caméra. Alors on reconnaît que c'est une FF car elle a 4 places. Format familial, family format. Contrairement aux autres Ferrari qui n'en ont que deux dans son ensemble. Lexus qui arrive. Très simple, hein, Lexus, mais c'est déjà ça. Là, voilà, on arrive tout au moment où la Jaguar XF part. Super. Voilà donc une Porsche Panamera S. Donc pas mal, hein, on voit l'avant. Pas plus grosse, hein. Bon, l'avant Porsche, hein, on fait. Porsche. La petite Juke Nismo. Je sais que c'est Nissan. Mais... Donc le propriétaire a aussi une GTR, mais non Nismo. Voilà. Voilà, suite du car spotting. Encore un Jaguar FF. Magnifique, les jantes Jaguar, intérieur. Oh bah c'est ça, Jaguar. Petit emblème pour... Donc voilà, suite du car spotting à Beaufort avec une petite Alpine. Alpine à papa. Magnifique. Couleur un peu chromée. J'aime bien. Jeep Grand Cherokee. 4x4 diesel, semi. Oh, c'est un petit smarté. Pas mal. Magnifique Mercedes à côté d'une Cooper D. C220 automatique. E-Pace. La magnifique C220. Automatique. Ça me dit tout à l'heure. Blue. C'est pas la même.